Good evening to you all. Bonsoir à tous. A very good evening to you all. Bonsoir à vous tous. If you didn't reply, I will continue to say. Si vous n'avez pas répondu, j'allais continuer avec mes bonsoirs. You are blessed. Vous êtes tous bénis. My wife and I are blessed to be here. Et ma femme et moi nous sommes bénis d'être ici. Her name is Efe. Son nom c'est Efe. She's praying, but you can see her. Elle est en train de prier, mais vous pouvez la voir. Amen. Amen. I'm so grateful to God that our children are here with us. Je suis très reconnaissant envers Dieu que nos enfants sont ici avec nous. So whatever we are going to share together, promise me you will teach them between now and next week Saturday. Donc tout ce que nous allons partager ensemble, promettez-moi que vous aurez à les enseigner ça à partir de maintenant et pour les jours à venir. To the Amen. Amen. C'est Amen. Amen. Si, on peut te teach them. Si vous dites Amen, ça veut dire que vous allez les enseigner. So, by next week Saturday, I will phone Alain to say, ask them, ask the church in Quebec whether they taught the children. Donc ainsi, à partir du samedi prochain, je vais demander au frère Alain. Demande à l'église du Québec, est-ce que vous avez enseigné aux enfants? There's nothing a child cannot understand when he has attained the age of 5 years. Il n'y a rien qu'un enfant qui a atteint l'âge de 5 ans ne puisse comprendre. Amen. 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 You will teach them, raise up your hand if you teach your children. Si vous allez les enseigner, levez vous-même. I like that man. He's not raising up his hand. J'aime cet homme. Il n'a pas levé sa main. He wants to hear first. Il veut d'abord entendre. I don't have children. You will have children. Amen. Tu auras des enfants. Anyone that comes around you as a child will teach you. Tout qui viendra vers toi comme un enfant, tu vas l'enseigner. Okay. All those children are our children. Tous ces enfants sont nos enfants. But do you speak French? Yes. Ah, français? Après la réunion, je vais t'avoir. After the meeting, I want to see you. Glory. Bra. All right. Let's turn in our Bibles to John chapter 11. Ouvrons notre Bible en Jean, chapitre 11. We shall be reading verses 25 and verse 26. On va lire le verset 25 et le verset 26. Let us pray. Prions. Almighty God, grant unto us by the power of your Spirit that we may know you in the way you are revealing yourself in this passage. Quicken us by your word and by your spirit. Let your light shine brilliantly into each and every one of us, Almighty God, that we might live in the light that you show us, and that we might become the thing that you say we can become when we receive you in the way you reveal yourself. Sprinkle the blood of the Lord Jesus Christ freely, there shall be no destruction whatsoever. Let there be penetration. Let there be light. Let there be a quickening grace. We pray in Jesus' name. Amen. All right. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he be dead, yet shall he live. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort.
And whosoever liveth and believe in me shall never die. Believest thou this? Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen. We are brought directly to the revelation of Jesus Christ. Nous sommes amenés directement à la révélation de Jésus-Christ. Here, Jesus says to us, aujourd'hui, Jésus nous dit, I am. Je suis. I am. Je suis. What does that remind you of? Cela te rappelle quoi? He says, I am. Il dit, je suis. And makes great claims. And says things that are so great about himself. Et il fait des affirmations très grandes sur lui-même. You recall that when God apprehended Moses, tu vas te rappeler lorsque le Seigneur s'est approché de Moïse, and said to him, I've seen the affliction of the children of Israel. Il lui dit, j'ai vu l'affliction des enfants d'Israël. And I've come to you. Et je suis venu vers toi. To ordain you to be my servant, to go to deliver the children of Israel from Egypt. Pour t'instaurer comme mon serviteur, afin que tu puisses aller et délivrer les enfants d'Israël d'Égypte. At the time of that encounter, pendant cette rencontre, Egypt was like the United States of that era. L'Égypte était comme les États-Unis de cette ère. It had the most powerful army. Il avait l'armée la plus puissante. And the children of Israel were slaves in Egypt. Et les enfants d'Israël étaient des esclaves en Égypte. As to say that he's come to deliver them out of Egypt. Et venu dit, je vais les délivrer d'Égypte. It looked like an impossible task. Ça ressemblait à quelque chose d'impossible. Naturally. Naturellement. How does he deliver Israel? Comment délivrer Israël? They don't have an army. Ils n'ont pas d'armée. They don't even have one sword. Ils n'ont même pas une épée. So how are they going to fight the Egyptians and deliver themselves? Comment ils vont lutter contre les Égyptiens et se délivrer eux-mêmes? So Moses said. Donc Moïse dit. This is difficult. Ceci est difficile. When I go to the children of Israel to their elders. Quand j'irai vers les enfants d'Israël, vers les anciens. They will ask me. Ils vont me demander. You say God spoke to you. Tu as dit, Dieu t'a parlé. What is his name? Ils vont me demander quel est son nom. Do you remember? Yes. Vous vous rappelez? What did he say? Qu'est-ce qu'il a dit? I am. I am. Je suis. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au Seigneur. Let's say it again. What does it? What did he Qu'est-ce say? Qu'il a dit? Répondant encore. Je suis. Je suis. I am. All right. Then he says. After he says I am, then he says. Go and tell them. Et après avoir dit je suis, il a dit va leur dire. I am that I am has sent you. Que je suis t'a envoyé. I am that I am has sent you. Je suis que je suis t'a envoyé. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. So Jesus Christ. Donc Jésus Christ. Is the God that revealed himself to Moses in the Old Testament. Est le Dieu qui s'est révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Jesus Christ says, I am in this passage. Jésus-Christ dit, je suis dans ce passage. For you to experience the power of salvation and be brought to perfection, you must know Jesus. Puisse expérimenter le pouvoir du salut et que tu puisses atteindre la perfection, tu dois connaître Jésus. You must know that Jesus is exalted above all creation. Tu dois connaître que Jésus est au-dessus de toute création. Everything else was created. Toute chose qui a été créée. But he is the creator God. Mais lui, il est le Dieu créateur. In John chapter 1 verse 1. Dans Jean chapitre 1 le verset 1. We read this. On lit. The beginning was the word.
And the Word was with God, and the Word was God. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. And this personage called the Word of God, in verse 14, it says, the Word of God became flesh and blood and dwelt among us. Et ce personnage de la parole de Dieu, on lit dans le verset 14 que cette parole s'est faite chair et qu'elle est demeurée avec nous. So, the Lord Jesus Christ is coming to us in Quebec today as the resurrection and the life. Donc, le Seigneur Jésus Christ vient à nous à Québec ici comme la résurrection et le donneur de vie. You will encounter him as the resurrection and the life. Tu vas le rencontrer comme la résurrection et comme la vie. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. Jesus says seven other things about himself in the book of John. Jésus dit sept autres choses sur lui dans le livre de Jean. And this book was written after 71 years. Et ce livre a été écrit après 71 ans. When Jesus began his ministry at the age of 30. Quand Jésus-Christ avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. 71 years after John wrote this book. Donc 71 ans après, Jean a écrit ce livre. And he wrote this book as his second book. Et il a écrit ce livre comme son deuxième. What was the first book John wrote? Anybody? Le premier livre que Jean a écrit, vous le connaissez? Le premier livre écrit par Jean, quelqu'un le connaît? Okay. So the first book is Revelation. Le premier livre c'est Apocalypse. Why? Because Christ revealed is the path to life. Pourquoi? Parce que Christ s'est révélé comme le chemin à la vie. The greatest need of the hour is for Christ to make himself known. Le besoin, le plus grand besoin de cette heure-ci est pour que Christ soit connu. 71 years after Jesus began to preach the gospel. 71 ans après que Jésus-Christ a commencé de prêcher l'évangile. We see God given John the revelation of Jesus Christ. Nous voyons Dieu donner à Jean la révélation de Jésus-Christ. If you turn in your Bible to Revelation chapter 1 verse 1. Si tu tournes dans ta Bible en Apocalypse chapitre 1 verset 1, you will find that the very first thing we are told is that God gave the revelation of Jesus Christ to his servants. Vous trouverez que la première chose qui nous est dite est que Dieu a donné la révélation de Jésus-Christ à son serviteur. Can we read it in the French? Revelation 1 verse 1. Est-ce que nous pouvons le lire en français? Et je lis révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean. Amen. So it was a revelation of Jesus Christ. Donc c'était la révélation de Jésus-Christ. It was needed. Il y avait eu besoin. By the church. Il y avait eu ce besoin pour l'église. They were experiencing Jesus. Ils étaient en train d'expérimenter Jésus. But only a few of them grew to a great height. Mais juste peu d'entre eux avaient grandi. These are persons who sought the face of God and Jesus Christ revealed himself to them. Ces personnes étaient ceux qui ont cherché la face de Dieu et Jésus qui s'est révélé à eux. You will notice that of the four gospels, the book of Saint John was the last to be written. Vous allez remarquer des quatre évangiles, le livre de Jean était le dernier écrit. If you were to read the other three gospels, si tu lis les trois autres évangiles, the way to become a Christian is not very clear. La manière de devenir un chrétien n'est pas très claire. Glorious things are revealed in Mark, Matthew, and Luke. Les choses glorieuses sont révélées en Marc, Matthieu et Luc. But the way of salvation is not very clear. Mais le chemin pour le salut n'est pas très clair. But after John encountered
Jesus Christ in the Isle of Patmos. Mais après que Jean a rencontré Jésus-Christ dans l'île de Patmos, things became clear. Les choses sont devenues claires. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. For example, it is in John, you have John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten son, and whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. C'est par exemple en Jean 3:16 qu'on a cette parole que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ait la vie éternelle et ne périsse jamais. But when you read the other three books, it is not this way to life. Mais quand vous lisez les trois autres évangiles, c'est pas cette voie, elle n'est pas nécessairement claire comme ça. It is there you have the promise. C'est là où vous trouvez la promesse. But as many as receive Jesus, mais autant que nous avons reçu, qui ont reçu Jésus, to them gave him power to become the sons of God. À eux, il a donné le pouvoir à être appelés les enfants de Dieu, les fils de Dieu. It's still in John you have Jesus say, he that hears my word and believes on him that sent me has everlasting life. C'est aussi dans le livre de Jean que vous entendez, celui qui écoute ma voix et qui croit en moi a la vie éternelle. There's something that happens when you encounter Jesus Christ. C'est qu'il y a quelque chose qui arrive lorsque tu rencontres Jésus-Christ. When he reveals himself, quand il se révèle à toi, it will not be a mystery, it will be life. Ça ne serait pas un mystère, mais ça serait de la vie. John is the simplest book. Jean est le livre le plus simple. Many are Christian, and including you, when we lead somebody to Christ, say, begin to read the gospel according to Saint John. Beaucoup d'entre nous sont, beaucoup sont chrétiens, même vous. Lorsque vous rencontrez des gens, dites-leur, commencez à lire l'évangile de Jean. Now, in this passage we are considering, and we are returning to John 11, donc, 25 and 26. Donc dans ce verset que nous avons lu, donc nous retournons à Jean 11, le verset 25 et 26. He says, I am. Il dit, je suis. And he says this at least in seven other places in the book of John. Et il le dit encore dans d'autres sept autres endroits dans le livre de Jean. Je suis. Amen. For example, it says, I am the bread of life. Par exemple, il dit, je suis le pain de vie. He says that in John 6:35. Il le dit dans Jean 6, verset 35. No man can say that of himself. Aucun homme ne peut dire cela de lui-même, sur lui-même. But he reveals himself. Mais lui, il se révèle à nous. As the bread of life. Comme le pain de vie. Ordinarily, we understand what that means. De façon naturelle, nous comprenons ce que cela voudrait dire. If we feast on Christ, si nous mangeons en Christ, we will have life. Nous aurons la vie. For he says, I'm the bread of life. Parce qu'il dit, je suis le pain de vie. Again, he says in another place, John 8, verse 12. Et aussi, il dit à un autre endroit, Jean 8, le verset 12. He says, I'm the light of the world. Je suis la lumière du monde. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. He that follows me, celui qui me suit, will never walk in darkness, ne marchera jamais dans les ténèbres, but shall have the light of life, mais aura la lumière de la vie. I am the light of the world. Je suis la lumière du monde. He that follows me, celui qui me suit, will not walk in darkness, ne marchera pas dans les ténèbres, but shall have the light of life, mais aura la lumière de la vie. Amen. Then in chapter 10, et aussi dans le chapitre 10, Jesus says, I am the door. Jésus dit, je suis la porte. You can't enter into life, tu ne peux pas entrer dans la vie, except you pass through me, à moins que tu passes à travers moi. Still in John 10 says, I'm the good shepherd. Et aussi dans Jean 10, il dit, je suis le bon berger. The good shepherd laid down his life for the sheep. Le bon berger donne sa vie pour son troupeau. Donc, Jesus Christ keep declaring himself, I am. Donc, Jésus-Christ continue à se déclarer, je suis. Amen. Then in chapter 11, it says, I am the resurrection and the life. Et dans le chapitre 11, il dit, je suis la résurrection et la vie.
In John 14, 6, it says, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Donc, dans Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Personne ne vient au Père que qu'à travers moi. All of this revelation of Christ to the church. Donc, toute cette révélation de Christ à l'endroit de l'Église. A clear teaching, a very clear teaching. Un enseignement très limpide, très clair. And simple. Et aussi très simple. Came because John encountered Jesus Christ at the Isle of Patmos. Un enseignement aussi clair nous est parvenu parce que Jean a rencontré le Seigneur dans l'île de Patmos. Amen. Amen. Then, in John 15. Et aussi dans Jean 15. He continues. Il continue. And says of himself. Et a dit de lui-même. I am the vine. Je suis la vigne. And ye are the branches. Et vous, vous êtes les semences. Revealing to us. Donc se révéler à nous. That the same life. Que la même vie. Flows in him and in us. Que la même vie qui coule en lui et en nous. Showing us total dependence on him. Nous montrant une dépendance totale envers lui. I am the vine tree, and ye are the branches that grow out of me. Je suis la vigne et vous êtes les branches qui croissent de moi. Because you partake of my life, you bring fruit. Parce que vous participez à ma vie, vous portez des fruits. But if a branch does not abide in me, does not totally depend upon me, he cannot bring forth fruit. Mais si une branche ne dépend pas de moi totalement, elle ne pourra pas porter de fruits. So, the great I am that I am is coming to us this afternoon. Donc, le grand, le puissant que je suis vient à nous aujourd'hui. And declare himself in a way that is simple for us to receive. Se déclarant d'une manière très simple à nous que nous pouvons recevoir. And he says, I am the resurrection and the life. Et il dit, je suis la résurrection et la vie. Who we want to receive him as his resurrection? Qui voudrait le recevoir comme sa résurrection et sa vie? I will say amen. Je dirais amen. Because from today, parce qu'à partir d'aujourd'hui, your Christian life will receive a revolution. Ta vie chrétienne recevra une révolution. Because you see Jesus Christ as the resurrection and the life. Parce que tu vois Jésus-Christ comme la résurrection et la vie. In the two verses here, dans les deux versets ici, two possibilities are presented. Il y a deux possibilités qui nous sont présentées. In the 25th verse, dans le verset 25, it shows us how some believers will receive him. Le verset 25 nous montre comment certains croyants vont le recevoir. They see him as the resurrection. On le verra, ces croyants le verront comme la résurrection. For them, Jesus Christ is saying, I am the resurrection. Et pour eux, Jésus-Christ leur dit, je suis la résurrection. A multitude of people since the church age began. Une multitude de gens depuis que l'âge de l'Église a commencé. They know him as the resurrection. Le connaissent comme la résurrection. But Jesus Christ did not say, "I am the resurrection." Mais Jésus-Christ n'a pas dit, "Je suis seulement la résurrection." He says, "I am the resurrection and the life." Mais il a aussi dit, "Je suis la résurrection et la vie." If you receive him as the resurrection, si tu le reçois comme la résurrection, only, seulement, then you will get the benefit. Mais en ce moment, tu auras le bénéfice. For to open your eyes to see him as the resurrection is great. D'ouvrir tes yeux, de le recevoir comme une résurrection est grand. But to know him as the resurrection and the life is greater. Mais le connaître comme la résurrection et la vie est plus grand. So he says in verse 25. Donc il dit dans le verset 26. If you receive him as the resurrection, si tu le reçois comme la résurrection, then you will live after death. Si tu le reçois comme la résurrection, tu vivras après la mort. Let me read verse 25. On va lire le verset 25. Jesus said unto him, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he be dead, yet shall he live.
Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même qu'il serait mort. When the believer dies, that is not the end. Quand le croyant meurt, c'est pas la fin. In fact, it is said to be that the believer is asleep. Mais en réalité, on dit ce croyant est en sommeil, il dort. But there is a quality of spiritual life that is available to us when we know him beyond his being just resurrection, when we know him as the resurrection and life. Et il y a une qualité de vie spirituelle qui nous submerge quand on le connaît au-delà du simple fait qu'il est la résurrection. C'est-à-dire quand on le connaît comme la résurrection et la vie. Amen. And the class of people who know him as the resurrection and life, that class is not so big in number. Et la classe de personnes qui le connaît comme la résurrection et la vie, cette classe est une classe toute petite, elle n'est pas aussi grande en nombre. But it will include you today. Mais elle va t'inclure toi aujourd'hui. For Christ to you is resurrection and life. Parce que pour toi, Christ est résurrection et vie. And Christ is not a doctrine. Christ is a person. Et Christ n'est pas une doctrine, c'est une personne. What that means is that as you hear him, ce que cela voudrait dire, c'est que quand tu l'entends, revealing himself as the resurrection and the life, au fur et à mesure qu'il se révèle à toi comme la résurrection et la vie, it will impact your life now and always. Cela impactera ta vie maintenant. Amen. So to this small class of people which includes you, et pour cette petite classe de personnes qui t'inclut aussi, we receive him as the resurrection and the life. Nous le recevons comme la résurrection et la vie. And see what is written in verse 26. Et regardez ce qui est écrit dans le verset 26. It says, ça dit, and whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ça dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? I didn't read that part. You read it. Il n'a pas lu cette partie, mais je l'ai devancé. Say, and whosoever liveth and believe in me shall never die. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. The thing that ends verse 26 cannot be put at the end of verse 25. Ce qui termine le verset 26 ne pourra pas être mis à la fin du verset 25. Believers doubt this. Et cette chose est, crois-tu cela? On ne pourra pas mettre ça dans le verset 25, à la fin du verset 25. The question means that it is difficult to believe him in the manner revealed in verse 26. Et cela implique au fait que c'est difficile de croire cela de la manière dont ça a été révélé dans le verset 26. Si il dit, crois-tu cela? If he says, do you believe that? Oh, okay. If he says, do you believe this? Si il dit, crois-tu cela? That means it's difficult to believe. Ça veut dire que c'est difficile à croire. I invite you, what does it mean that he that liveth and believeth shall never die? What does it mean? Je t'invite, quand il dit celui qui vit et croit ne mourra jamais, cela signifie quoi? Think about it a little bit. Pense à cela. Pense à cela. What it means is that if you encounter Jesus Christ as the resurrection and the life, you will never die. Ça signifie que si tu rencontres Jésus-Christ comme la résurrection et la vie, tu ne mourras jamais. I'm not the person saying it. Je ne suis pas celui qui le dit. Look at it in verse 26. Regardez-le dans le verset 26. And let us read it together in French. On le lit ensemble en français. Donc lisons ensemble en français. Yes. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? You will never die. Tu ne mourras jamais. Do you believe this? Crois-tu cela? Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. All through the church age, à travers l'âge de l'Église, the multitude of believers end in their relationship with Jesus Christ on the note of verse 25. La multitude des croyants
ont arrêté leur vie à la manière de connaissance du Seigneur sur le verset 25, c'est-à-dire en le connaissant juste comme la résurrection. But in this closing years of the church age, mais à cette fin du temps de l'Église, Jesus Christ is shining his light upon us. Jésus-Christ nous brille, il nous donne sa lumière. Revealing himself to us as resurrection and the life. En se révélant comme la résurrection et la vie. That's why I say it is glorious to be alive today. C'est pour ça que je dis il est glorieux d'être en vie aujourd'hui. I want to ask you for a few minutes. J'aimerais vous demander juste quelques instants. Don't answer me. Ne me répondez pas. Because if you answer me, then you are too fast. Parce que si vous me répondez, ça voudrait dire que vous êtes pressé. Do you believe that you can so live your life and you will never die? Est-ce que tu crois que tu pourras vivre ta vie et tu ne mourras jamais? I like your silence. J'aime votre silence. Hallelujah. Now, we move to the second part of this message. Donc on va regarder la deuxième partie de ce verset. And that is, what does Jesus Christ mean by he that liveth and believeth shall never die? C'est-à-dire, quiconque qui vit et qui croit ne mourra jamais. He puts living before believing. Il met vivre avant de croire. N'est-ce pas? Is that also? Look at it, look at it, look at it. Lisez, regardez, il a mis vivre avant de mettre croire. Quiconque qui vit et croit en moi. He does not say, and whosoever believeth and liveth shall never die. Ça ne veut pas dire quiconque croit et vit ne mourra jamais. So say after me, living comes before believing. Donc dites après moi, vivre vient avant de croire. Vivre vient avant de croire. Again? Vivre bien avant de croire. Tout le monde? Vivre bien avant de croire. Criez! Vivre bien avant de croire. Amen! Amen! Praise the name of the Lord. Amen. But what does it mean to live? Qu'est-ce que cela signifie de vivre? The people refer to in verse 25, we are they not alive? Les gens dont on a référé dans le verset 25, est-ce qu'ils ne sont pas en vie? If somebody is not alive, can he believe in Jesus Christ? Si quelqu'un n'est pas en vie, est-ce qu'il peut croire en Jésus-Christ? Look at verse 25 again. Regardez le verset 25 encore. He that believeth in me, though he be dead, yet shall he live. Celui qui croit en moi, quand bien il est mort, il vivra encore. Only human beings that are physically alive can believe in Jesus. Seulement les individus qui sont en vie peuvent croire en Jésus. Is that not so? N'est-ce pas? Is that not so? Yes. Reply now. Is that not so? N'est-ce pas? Répondez maintenant. Yes. So what does it mean to live and to believe? Qu'est-ce que cela signifie de vivre et de croire? Because if we know it, parce que si nous le savons, we can enter into the reality of the promise of verse 26. Nous pouvons entrer dans la réalité de la promesse. Verset 26. And I tell you, my brethren, there are some who will not go down to the grave, but will go into life. Et je vous dis, mes frères, il y en a qui n'iront pas à la tombe, mais qui iront directement à la vie. Amen. Glory to God. Gloire à Dieu. What does it mean to live? Qu'est-ce que cela signifie de vivre? And why is believing coming after the revelation of living? Et pourquoi croire vient après la révélation de vivre? This is what we are going to be looking at. Voilà ce que on va regarder. So, point number one. Donc, le point numéro un. What does it mean to live? Qu'est-ce que cela signifie de vivre? Because quite a number of believers do not have the secret of how to live. Parce qu'il y en a un nombre de croyants qui n'ont pas le secret de comment vivre. For example, par exemple, any child born to the world, un enfant né au monde, automatically knows how to live. Automatiquement, il sait comment vivre. In the physical, c'est-à-dire de manière physique. Is that not? N'est-ce pas? So you grow up. Donc tu grandis.
But this kind of living is not natural. Mais cette kind de vie, elle n'est pas naturelle. So we can call it spiritual living. Donc nous pouvons l'appeler une vie spirituelle. Or life in the spirit. Ou une vie dans l'esprit. Whoever lives in the spirit. Donc, quiconque vit dans l'esprit. Will have many things shown to him. Aura beaucoup de choses qui lui seront montrées. If he believes those things, s'il croit en ces choses, there will be change in his physical body. Il y aura du changement dans son corps physique. There will be change in the soul. Il y aura un changement dans son âme. And he can experience incorruptibility. Et il peut expérimenter l'incorruptibilité. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Gloire au nom du Seigneur. So how do we live in the spirit? Donc comment vivons-nous dans l'esprit? Now say with me, living in the spirit. Donc dites avec moi, vivre dans l'esprit. Is the normal course that of life that God prepared for His people. Donc c'est la cause principale ou c'est le but principal que Dieu a préparé pour son peuple. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. But before we go into it proper, avant que nous entrons dans ça de façon très propre, I want us to read a few verses. J'aimerais que nous lisons quelques versets that will help us into this truth. Qui vont nous aider à cerner mieux cette vérité. Come with me to Galatians chapter 2. Donc nous allons dans Galates chapitre 2. Because we expect that so great a subject will be found both in the Old and the New Testament. Parce que ce sujet qui est aussi grand, nous le verrons aussi bien dans le Nouveau comme dans l'Ancien Testament. In verse 20. Dans le verset 12, verset 20. Let's read it together. Donc, nous pouvons le lire ensemble. In French. En français, disons ensemble en français. Want to go? J'ai été crucifié avec Christ. Attends. Tous les morts avec sa Bible. En français, lisez. Hein? Amen. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Encore? J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. Start reading again, but I will stop you at some point of your reading. Donc, on va lire encore ensemble, mais à un certain point, il va nous arrêter. Donc, lisons ensemble. J'ai été crucifié avec Christ. Stop. Arrêtez. If you are crucified with Christ, si tu as été crucifié avec Christ, are you alive or dead? Es-tu mort ou vivant? Hein? Question. Écoutez bien. Listen very well. If you are crucified on the cross with Christ, si tu es crucifié sur la croix avec Christ, are you alive or you are dead? Es-tu en vie ou mort? Mort. Dead? Ne crains pas. Écoutez ce mot. You are dead. You are dead. Tu es mort. Only if you are crucified with Christ. Si seulement tu es crucifié avec Christ. Amen. Amen. But the real you is alive. Mais le vrai toi est en vie. Dead in the soul, dead in the body. Mort dans l'âme, mort dans le corps. But, mais, not put away from God. Mais pas mis à part de Dieu. Which is the real death. Qui est la vraie mort. That is why, after the word Christ, the next word
indicates. C'est pour cela que après le mot Christ, les mots qui suivent donnent l'indication, montrent que. So, continue the reading in verse 20. Donc nous continuons. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Attends. Et si je vis, nevertheless, I live. We are coming back to that. Go to Colossians chapter 3. Donc, nous allons revenir. Allons-y dans Colossiens 33. Colossiens 3. Oui, Colossiens 3. We start reading from verse 1, but take note of verse 3. Nous allons lire à partir du verset 1, mais prenez garde au verset 3. But we shall read up to verse 4. Mais nous allons lire jusqu'au verset 4. Ok, read, want to go? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Passionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Arrête! Car vous êtes morts. Hallelujah! Because if that does not happen, you can see the secret of how to live. Parce que si cela n'arrive pas, vous ne pouvez pas trouver, vous comprendre le secret de je crois. If you do not see, si tu ne vois pas that you are dead, que tu es mort, you cannot have the secret of how to live. Tu ne peux pas avoir le secret de comment vivre. Amen. Glory to God. Gloire Seigneur. So we move now to verse 4. Donc nous lisons le verset 4 maintenant. Wait, we didn't finish verse 3. So reprenons à partir du verset 3 parce qu'on ne l'a pas achevé. Okay, read verse 3. Want to go? Car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ Dieu. Amen. Amen. Your life is hidden. Il est caché. Et votre vie, elle est cachée. Elle est cachée. Hello? Amen. You have life. Donc tu as la vie. And by that life you will live. Et par cette vie tu vivras. He who lives by that life. Qui vivra par cette vie. And believes. Et croira. Shall never die. Ne mourra jamais. Amen. But there's a life that is hidden. Mais il y a une vie qui est cachée. But it will break up today. Mais elle viendra, elle s'affranchira. And you begin to live with the life of Christ. Et tu commenceras par vivre avec la vie de Christ. Your life is hid. Donc ta vie est cachée. With Christ in God. Avec Christ en Dieu. Amen. Amen. Where is your life hidden? Où est ta vie cachée? Ta vie est cachée où? Avec Christ en Dieu. À tout le monde. Everybody. Parce qu'on sait les très difficiles, I wouldn't say everybody. But if it is very simple, everybody has the answer, then all of us have to answer. Donc si c'est simple et que la réponse est là, tout le monde doit répondre. So, you have life. Donc, tu as la vie. It is hidden. Elle est cachée. With Christ. Avec Christ. In God. En Dieu. You are dead. Tu es mort. But you have life. Mais tu as la vie. This life. Cette vie, it's not very visible. Elle n'est pas vraiment visible. It's hidden. Elle est cachée. Like a mystery. Comme un mystère. But today, mais aujourd'hui, that hidden life will be opened up. Cette vie cachée t'est montrée. Se montre. This life is your life. Donc cette vie, elle la tienne. That is your life is shown in verse 3. Elle dit, ta vie, elle est montrée dans le verset 3. So let us read verse 3. Donc lisons encore le verset 3. Vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Do you have life? Est-ce que tu as la vie? Do you have life? Est-ce que tu as la vie? That life, where is it? Cette vie, où est-elle? Is hidden. Is hidden. Elle est cachée. With Christ. En Christ. In God.
en Dieu. But you have life. Mais toi, tu as la vie. You have life. Tu as la vie. It's hidden with Christ. Elle est cachée en Christ. In God. En Dieu. Is it clear? Yes. But let us read verse 4. Lisons le verset 4. Your life is given another name. Ta vie, on lui donne un autre nom. Le verset 4. Want to go? Fils, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Who is our life? Qui est notre vie? Who is our life? Qui est notre vie? Who is our life? Qui est notre vie? Tout le monde. Marcel, répondez. Au fond. S'il te plaît. Ou bien. Chaque question posée à toi. Alléluia. If you don't respond, only you have been asking questions. Si tu ne réponds pas, on va te poser des questions. Comment tu t'appelles? Eugénie. Hein? Eugénie. Ah. Attends, ou bien poser beaucoup de questions à toi. All right, now. We have life. Non, nous avons la vie. Each one of us have life. Chacun d'entre nous a la vie. But that life we have, mais cette vie que nous avons, is by Christ. Elle est par Christ. Who is our life? Qui est notre vie? Amen. Chaque personne avec son vie, mais tout le monde, Christ est vie pour tout le monde. C'est clair? Amen. Oh yeah. Oh, okay. Now, each one of us have life. Chacun d'entre nous a la vie. But this life that each one of us have, mais cette vie que chacun d'entre nous a, is by virtue of Christ. Est par vertu de Christ. Est en vertu de Christ. By which we live. En vertu de Christ que nous vivons. Amen. Amen. So we can say. Living comes before believing, but that living means living by the means of Christ our life. Donc nous pouvons dire que vivre vient avant de croire, mais cette vie, c'est vivre notre vie en Christ. Amen. So you can see why. Yeshua.